de gutopia.com. Voilà, donc j'arrive de ma formation là pour le certificat de capacité et donc je vais ouvrir mon incubateur pour voir si mes œufs de gut ont éclos et pour voir si j'ai des petits, mes premiers petits gut. Alors j'ouvre l'incubateur. Oh oh! Oh oh! Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Regardez bien. Je crois que j'ai... Voilà. Regardez bien. Je crois que j'ai pas mal. Ah, ça vibre. Ça vibre là-dedans. Ils sont pas contents. Oh là 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 là. J'ai un monceau. Regardez-moi tout ça. Bon. Je crois que ma première repro de gut s'est très très bien passé. Ça fait un tas entier. On va les séparer, on va voir combien j'en ai. Je vous dis à tout de suite. Très content. Voilà, je mets mes gants. Pour tout ce qui est prophylaxie. Pour pas qu'il y ait de contamination. Voilà. Je mets un petit peu de gel hydroalcoolique. Voilà. Maintenant je vais préparer mes petites boîtes pour réceptionner mes guttes. Alors des petites boîtes comme ça que j'ai trouvé à la bourse de la race, c'est largement suffisant. Dedans je vais mettre des copeaux de hêtre. Et puis si vous êtes amateur de crème au chocolat, vous pouvez récupérer les petits trucs en verre, vous mettez de l'eau dedans. Et puis c'est largement suffisant pour réceptionner les petites guttes. Je vous montre le résultat tout de suite. Les boîtes sont préparées, je vais vous les montrer, et il ne reste plus qu'à mettre les serpents dans les boîtes. Voilà. Voilà les boîtes préparées. Alors, j'ai mis du copeau de hêtre dedans, avec le petit pot en verre pour mettre de l'eau. Voilà, donc maintenant je vais mettre l'eau et je vais mettre les serpents, on va filmer ça. Allez, cette fois c'est parti, on les installe. Donc j'ouvre la boîte, j'en attrape une. Voilà, regardez-moi comme c'est beau ça. De bien centrer. Voilà. Hop. Je les mets. Je vais rentrer. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais remonter un peu. Voilà. Et je les mets dans les boîtes. En voilà une. Dans la première. Voilà. Ça fait un. Ça fait deux. J'avais 14 œufs. Alors, est-ce que je vais avoir 14 petits? On va voir ça. Ça fait 3. Ça fait 4. Ça fait 5. Voilà, tu vas détacher. Il y en a deux qui sont attachés. Allez, lâchez-vous. Hop. Ça fait 6. Voilà, je tire les autres. 6. Thank you.
9. Tiens, on dirait une notelet celle-ci. C'est marrant ça. 9. Parce que mon mal était notelet. 9. Celle-ci. 11. 12. 13. Eh bien, je crois que j'en ai bien 14, 14 œufs ont éclos, c'est super, ça aussi on dirait une motelée. Et 14, voilà. Voilà la boîte avec le petit schtroumpf dedans. Voilà. On range. Pour ma première repro sur 14 œufs, 14 petits, j'ai vu qu'il y avait, des hippos, c'est que des hippos, et il y en avait certains qui étaient motelés. Donc je regarderai ça plus particulièrement quand je serai tranquille. Voilà, donc c'est ma première repro, je suis très content, ça a très bien marché. Tous les œufs ont éclos, les petits ont l'air en forme, on va les surveiller. Et puis comme j'ai appris à la ferme tropicale, je vais attendre la mue et je vais encore attendre une ou deux semaines avant de les nourrir avec des petits rosés. Je vous tiendrai au courant de toute façon. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette troisième vidéo. Je vous attends pour la prochaine sur gutopia.com. À la prochaine, salut.